Alors nous sommes arrivés Daf Yud de Nazir, Daf Yud, donc pour le mardi, le 17, Elul al-Hamim. Nous sommes donc à la deuxième ligne, nouvelle Mishnah. Comme je vous ai dit, ne vous étonnez pas, laissez d'abord parler. Amar, voilà un monsieur qui dit la chose suivante. Il a vu en fait une vache qui était accroupie, il a dit comme ça. Amra palazo harine nizraim omedet ani. Le monsieur dit, la vache elle dit, je suis nazir si je me lève. Elle était accroupie, d'accord? Ou bien, omen hadelet azed ani nizraim niftah ani. Ou bien il a vu une porte fermée, il dit, la porte elle dit, je suis nazir si je suis ouverte. C'est la porte qui parle? Oui. Bet shamay omrim nazir. Ou bet hillel omrim eno nazir. Dans ce cas-là, Bet shamay dit, si monsieur il a dit comme ça, la vache a dit, je suis nazir si je me lève, et après elle se lève, alors elle est nazir. Alors que Bet hillel, ils disent non, eno nazir. Pour l'instant, on va essayer de comprendre tout à l'heure quel est l'avis de chacun et quel est donc l'enseignement. Viens Amar Rabbi Yehuda, il dit Rabbi Yehuda, Av kshamru bet shamay, lo amru ela beomer hareparazo alay korban im omedet hi. Même quand bet shamay ils ont dit il est nazir, en fait, ils disent que il est seulement quand le monsieur il dit parazo alay korban, c'est-à-dire que la vache elle-même elle est benedr sur lui de ne pas la manger comme un korban im omedet hi si elle se lève. Voilà donc la Mishnah qui n'est pas compréhensible. Et on va donc voir la Gemara pour comprendre tout cela. Gemara, para mecha mishtaya. C'est ce que la Gemara pose comme première question. À une vache, ça parle? Toi, tu dis la vache, elle dit. Est-ce que la vache, ça parle? Alors, c'est pour ça qu'on a la réponse. Amar Rami Barhama, hacha bimayaskinan. Rami Barhama, il répond. Il dit en fait, ici, on parle kiron shehet aparad vutsa lefanav. Donc il y avait une vache accroupée, agenouillée à côté de lui. Elle était assise tranquille. Apparemment, ça devait être un poids lourd assez lourd. Véama, alors le monsieur, quand il la voit comme ça accroupée, il se dit, « Kisvola parazo ena omedet. » Est-ce que cette vache, elle pense qu'elle ne peut pas se lever? C'est-à-dire, ça veut dire que comme elle est accroupée, elle ne va pas se lever. Alors il dit, « Moi, harin et nazin me besara imam dame leha. » Je suis nazir de sa viande, donc de la chair de cette vache, si elle se lève toute seule. Et la Mishnah dit, la Gemara explique la Mishnah donc, Véranda, mais elle est effectivement, la vache tout de suite après, elle s'est levée. D'accord, donc la vache, elle n'a pas parlé. C'est le monsieur qui dit. Et la vache qui était accroupie, d'accord, elle croit qu'elle ne pourra pas se lever. Moi, je suis nazir si elle se lève. Et elle s'est levée. Je suis nazir de sa viande si elle se lève. Elle était malade? Rien. Elle était accroupie. Et elle s'est levée. Et c'est là où Bet Shammah, ils ont dit, le monsieur, il est nazir. Pourquoi? Bet Shammah, ils vont, selon ce qu'on avait dit auparavant à propos des figues sèches, quelqu'un qui dit, je suis nazir des figues sèches, il est nazir normal selon Bet Shammah. Là aussi, c'est pareil. Même si le monsieur l'a dit, je suis nazir de la chair de la vache, il est nazir. Ve'alcho bet shamay l'eshetatan ou bet hillel l'eshetatan. Bet hillel aussi, ils vont selon leur version, que eux, dans la Mishnah, à propos des figues sèches, ils ont dit non, il n'est pas nazir parce que ça n'existe pas, nazir de figues sèches. Ben là aussi, c'est pareil, ils disent il n'est pas nazir parce que nazir de la viande, ça n'existe pas. Deux secondes. Et quand il dit arémi nazir m'bessara, là, en fait, ici, là, Même si elle ne se lève pas pour Bet Shammah, il est nazir aussi alors. Ah non. Il a dit nazir si elle se lève. Et elle s'est levée. Ça y est, tu es nazir. Enfin, tu es nazir selon Bet Shammah. C'est ce que dit la Gemara. Bet Shammah, de Amri, menagrogolot, menadivila, hava nazir. Achanami, ki amal bebesala, hava nazir. Donc là, la Gemara nous explique évidemment les idées de chacun. Quand Bet Shammah est dans les figues sèches, ils ont dit que si quelqu'un dit je suis nazir de figues sèches, il est quand même nazir normal. Là aussi, quand il dit « Je suis nazir de la viande, de la chair de cette vache ben, », il est nazir normal. « Ou bétele l'omrim, là, ben nazir. » Bétele disent « Non, il n'est pas nazir. » Quand il dit nazir, c'est-à-dire qu'il s'interdit cette... Les trois. Nazir, non. Nazir, s'il ne boit pas le vin, il n'est le raisin, il ne se coupe pas les cheveux, il ne se rend pas impur pour le mort. C'est le nazir de la Torah, ça.
Alors l'agma elle pose une question. Dans ces cas-là, veha amaloa bet shamay hadazimna. On dit ben alors dans ces cas-là pourquoi on répète la même idée deux fois? Qu'est-ce que ça change? Qu'ils disent je suis nazir de figue sèche ou je suis nazir de la chair de la vache? Ben, c'est la même chose puisque bet shamay dit dans ce cas-là il est nazir, mais d'autres disent il n'est pas nazir. Ça, pourquoi on répète la même idée? Amar Rava, il vient Rava, il dit tarté tlat. C'est vrai, il y a deux et il y a trois cas aussi. Les deux, les trois cas qu'on a, c'est un, les figues sèches, deux, la vache, et le troisième dans notre Mishnah, la porte qui s'ouvre. Oui. Rappelez-vous, il y avait la porte, et d'ici elle s'ouvre, donc je suis nazir. Alors, Vechen Tani Rabbi Hayata Tetelat, Vechen Amar Rabbi Hayata Tetelat. Donc Rabbi Hayata, il a dit aussi la même chose, il nous faut les deux ou trois cas. Et Rabbi Yoshaya dit aussi deux, trois cas. Et la Gemara nous dit Utsriche. Et on a besoin des trois. Pourquoi? On va expliquer ça tout de suite. Pourquoi? Alors, la Gemara commence. Dei et Marbeha. Si on a enseigné seulement le cas du premier. Quoi? Gdo gdo tutvila. Qu'on parle de figues sèches et de figues. Si on nous a enseigné que ce cas-là seulement. Qu'on aurait dit, Mahlok entre Bet Shammai, quand quelqu'un dit, je suis nazir de figue sèche, Bet Shammai dit, oui, nazir, et Bet Shammai dit, non, c'est pas nazir. Alors moi, on n'aurait pas enseigné les deux autres cas de la vache et de la porte. Alors moi, j'aurais raisonné comme ça. J'aurais dit, Hatamhu, là-bas, Deham de Bet Shammai avait nazir, là-bas seulement, Bet Shammai dit, il est nazir, dans les figues sèches, pas dans la vache et la porte. Pourquoi? Quelle différence? Mishum dim halfal maranavim. Il dit parce que les figues sèches, ça ressemble comme les raisins, les fruits et les fruits. C'est pour ça que Bet Shammai, ils disent, il est nazir. Mais la viande, quel rapport avec les raisins? Mais quand ici, monsieur dit, je suis nazir de la viande de la vache, ou nazir de la porte qui s'ouvre, ben dans ces cas-là, on aurait dit, Bet Shammai aussi, ils disent, non, il n'est pas nazir, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que notre Mishnah, elle est venue nous enseigner que même dans ce cas-là, Bet Shammai, ils disent, il est nazir quand même, tu vois bien, donc ce n'est pas évident. Continuons. Maintenant, vite, Marbassar. Dans ces cas-là, le Mishnah dit, donc enseigne-moi le cas de la viande et laisse tomber les figues sèches. Elle dit, non, là aussi, ce n'est pas possible. Pourquoi? Vite, Marbassar, si on enseigne le cas de la viande, dans notre Mishnah ici d'aujourd'hui, que si quelqu'un dit, je suis nazir de la viande de la vache, que si elle se lève, Hacha, Oudam, Bet Shammai, Bet Nazir. Il dit, parce que nous on aurait dit comme ça, quand un homme dit je vais nazir de la viande, en général quand on mange la viande, qu'est-ce qui accompagne la viande? Le vin. Voilà, c'est mais les figues sèches, il n'y a pas de vin avec les figues sèches. Alors moi j'aurais dit la viande, il y a le vin avec. Alors c'est pour ça que Bet Shammai dit il est nazir de vin. Mais dans les figues sèches, il n'y a rien à voir avec le vin. Alors j'aurais dit que Bet Shammai là-bas ils disent non, il n'est pas nazir. Très bien. Mais à l'époque, les gens ils buvaient du vin. Le vin, c'est la boisson. Il n'y a pas de boucha. C'est la boule au vin, c'est la boisson. Alors, on continue. Si maintenant il nous enseigne, d'accord, tu as dit les fixes c'est obligé, la viande c'est obligé, et la porte, quel rapport? Non, là aussi on a besoin. Pourquoi? Si on nous a enseigné que les deux seulement, les fixes sèches et la viande, d'accord, que Bet Shammai dit c'est nazir. Moi je dis, d'accord, c'est vrai, Bet Shammai, ils disent dans ces deux-là, il est nazir, parce que chacun, il a un élément qui se rapproche. Aval delet, mais la porte, quel rapport avec le vin? Ni avec le vin, ni avec la viande, ni avec zik, rien du tout. Et ma modelo le betilet. J'aurais dit certainement que dans le cas de la porte, Bet Shammai, il dirait qu'en betilet, il n'est pas nazir. C'est pour ça que le Mishnah était obligé de te le dire, non? Même dans la porte. Bet Shammai dit, si quelqu'un dit, voilà, je suis nazir, si la porte elle s'ouvre, et après elle s'ouvre, eh bien, elle est nazir quand même. Donc, tu vois bien que c'est nouveau. Maintenant, si on inverse, si on aurait enseigné que la porte seulement, on aurait dit, on aurait dit, d'accord, ici, ils disent dans la porte, rien à voir avec le vin, c'est pour ça qu'il n'est pas du tout nazir. Mais les deux autres cas, on aurait pensé que Bet-Hilel, il suivrait Bet Shammai, puisque dans la viande, il y a le rapport avec le vin, dans les figues sèches, il y a le rapport avec les raisins. Peut-être que Bet Shammai il dirait comme Bet Shammai, d'accord, il est nazir. C'est pour ça, Aval Bertete, maman de le Bet Shammai, Kamash Manandela. Donc, on voit très bien ici que les trois cas sont nécessaires.
la Mishnah, elle a besoin de nous les enseigner différemment et distinctement. Malgré que Bathilel ne change pas d'avis. Non. Viens maintenant. C'est quand il a un enseignement à part. Le truc, c'est que si on n'entendait pas un seul enseignement, j'aurais pu penser à autre chose de Bethshemay ou de Bethilel. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est un seul, ça ne marche pas. Amad, Rava, viens Rava maintenant et pose une question sur la réponse qu'on vient de donner maintenant, que comme quoi, quand on a dit est-ce que la vache ça parle, Rami Bahama elle a répondu, non, on parle ici que la vache elle était accroupie, etc. Et elle s'est levée. La Gemara dit, Mirkatan et Imam Dame Elea. Rava il dit, comment tu dis, on parle d'une vache qui s'est levée toute seule. Dans la Mishnah, il n'y a pas marqué qu'elle s'est levée toute seule. Imam Medet. Omed, si elle se lève, ça veut dire qu'elle peut se lever seule ou quelqu'un il l'a fait lever. Pourquoi Rami Bahama il a dit Imam Dame Eleha, elle s'est levée toute seule. Pourquoi tu dis ça? C'est pour ça que l'agma est obligé de changer. Donc dans le cas, donc ce cas de Rami Bahama, il ne marche plus. Ella Marava, c'est pour ça que Rabbi corrige, il dit en vérité non. La Mishnah elle parle, qui est parlé comme on a dit tout à l'heure, il y avait une vache qui était donc accroupie devant lui. Et donc. Le monsieur il a dit, le monsieur il a dit, voilà cette vache pour moi elle est korban, c'est-à-dire il a pas dit il a, justement quand il dit korban, quand il a dit lui, il a dit c'est-à-dire je suis nazir de la même façon que cette vache elle est interdite pour moi comme un korban, moi je suis nazir, c'est comme ça qu'il veut dire. Alors l'agma elle dit à Rava, c'est pas possible. Cette explication, pourquoi? Bishama pala batrobani. Pour la vache, je comprends que quelqu'un dit voilà, la vache elle est interdite pour moi comme un corban. Elle a délit batrobani. Mais la porte, est-ce que la porte ça s'offre en corban? C'est pas possible. Or, dans la Mishnah, on nous a enseigné le cas de la vache et de la porte en même temps. Donc, ta réponse que tu nous donnes ici, ça ne marche pas maintenant. Alors, Ella ama lava. C'est pour ça que Rava il nous donne une autre réponse. Il y avait donc une vache qui était accroupie devant lui. Ve'amar, il a dit, Harini nazir miyain, imlo amda. Il a dit, je suis nazir de vin si elle ne se lève pas. Si elle ne se lève pas, donc de son état d'accroupi. Donc il a dit, je suis nazir de vin. Attention. Combien de temps chez le Sénéphagan? Mais ça n'a pas d'importance. Ça, c'est pas un élément qui nous arrange. Mais en tout cas, le monsieur, il a vu une vache accroupie. Et il a dit, je suis nazir de vin si elle ne se lève pas. Et qu'est-ce qui se passe? Véram, dame, elle a fait, elle s'est levée toute seule. Alors c'est là, on va voir la mahlok entre Bethshemay et Bethilel. Que Bethshemay, ils ont dit, il est nazir. Et Bethilel, ils disent, il n'est pas nazir. Pourquoi? Comment tu peux expliquer? Alors, l'agma a dit, Bethshemay, c'est vrai. Bethshemay, eux, ils pensent, Torpe de Hay Gavra, Meshum Okma Bideho. Viens, l'agma. Lui, selon Bethshemay, l'intention de l'homme, quand il a vu ça, il dit, il croyait comme ça, l'homme, quand il a vu cette vache accroupie, il se disait, quoi, cette vache, elle est accroupie, elle pense que moi, je ne peux pas la soulever, la faire lever. Elle se trompe. Et finalement, elle s'est levée toute seule. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis nazir de vin si elle ne se lave pas. Mais en fait, c'est pas si elle ne se lave pas. Si moi, je ne la lave pas. Mais finalement, lui, il n'a même pas levé, puisqu'elle s'est levée toute seule. Donc, c'est pour ça que Bishamay dit qu'il est quand même nazir. Pourquoi? Parce qu'elle s'est levée. Lui, il pensait dire, si moi, je n'arrive pas, elle croit que je n'arriverai pas à la lever. Bien sûr que je pourrais la lever, moi. Et mais, finalement, elle s'est levée quand même. Alors, Bishamay dit ça, c'est nazir. D'accord? Parce qu'en fait, lui, il a la possibilité de la lever. Elle s'est levée toute seule. Mais il a dit, si moi je ne peux pas la lever, bien sûr que je peux la lever. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit, si elle... lui, il a dit... Bethshemay explique l'intention du monsieur. Le monsieur, quand il a vu la vache accroupie, son intention, elle était de dire comme ça. C'est-à-dire, elle croit que je n'arrivais pas à la soulever, bien sûr que j'arrive. Alors, il a dit comme ça, si je n'arriverai pas à la soulever, je suis nazir. Et finalement, c'est pas. Elle s'est levée toute seule, donc il n'y a rien. Il n'a quand même pas levé. Et donc il est nazir. Donc il est nazir. C'est ça en fait. Lui, en fait, il n'a rien dit. Lui, il a dit que moi je suis nazir de vin si elle ne se lave pas. Nous, on explique, ça veut dire que si elle ne se lave pas, ça veut dire si elle croit que moi j'arriverai pas à la lever.
Et même. Mais finalement, il n'a pas levé. Donc il est nazir. Non. Mais sûr, parce qu'il a. Il a pas levé. Il a dit. Il s'est pas levé. Il a dit, je suis nazir si j'arriverai pas. Si elle croit que j'arriverai pas à la lever. Mais finalement, il ne l'a pas levé. Donc il est nazir. C'est ça. Mais pourquoi il dit nazir de vin? C'est lui qui a dit nazir de vin, c'est pas moi. Maintenant, pourquoi Bethelel les dit il n'est pas nazir? Savre, Mishum de Ve'ahu Ve'hakamat. Eux, Bethelel, ils disent pas du tout. Lui, il dit, il voit la vache accroupie. Il dit quoi? Elle croit qu'elle ne pourra pas se lever, celle-là. Alors, je suis nazir si elle ne se lève pas. Mais comment elle s'est levée? Alors, il n'est pas nazir. Pas chaud. Lui, il a dit, donc, Bethelel, ils n'ont pas pensé qu'on ne parle pas de l'homme. Elle croit que la vache, elle ne va pas pouvoir se lever. Eh bien, si elle ne se lève pas, je suis nazir. Mais comment elle s'est levée? Elle n'est pas nazir. Donc, ça, c'est pas chaud. Ça, c'est donc l'explication que Rabbi vient de donner maintenant. Seulement, il y a une question. L'agma dit, et ma sefa. Si tu dis qu'on parle de ça, regarde la sefa dans la Mishnah. Dans la sefa dans la Mishnah, on a dit, Amar Rabbi Yehuda, Avkse Amr Bet Shammai, Lo Amro Ela Beomer Hadi Alehen Alea Kodban, Para Mekam Atfis Bamede. L'agma a dit, comment tu peux imaginer la réponse selon Rava qui vient de donner maintenant? Que le monsieur il a dit, je suis nazir de vin, si la vache elle se lève ou elle se lève pas, on a mis la mahloket. Pourtant, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Nous, on a vu que Rabbi Yehuda dans la Mishnah a dit, même quand Beit Shammai, ils ont dit, il est nazir, seulement quand il a dit que la vache elle est corban, c'est-à-dire qu'il est nazir de la viande, de la chair de la vache. Lui, il voulait s'interdire la chair de la vache. Et ici, tu me dis que le monsieur il a dit nazir de vin? Pas du tout, on ne parle pas de vin ici. D'accord? C'est pour ça que l'agma a posé une question. Et la réponse que Rabbi vient de donner ici, elle n'a pas du tout sa place. Elle, là, c'est pour ça que l'agma a rectifié encore. Maintenant, il revient. Il dit en fait, le monsieur, il a dit, je fais nazir de la viande de cette vache. Comme ça, on est bien en concordance avec ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Je suis nazir de la viande de cette vache-là, si elle ne se lève pas. Et finalement, elle s'est levée. Et là, on reprend le même raisonnement. C'est-à-dire, Beit Shammai savre, Beit Shammai dit, il est nazir de faim. Pourquoi? Comme on a dit, nous, que le monsieur, il pensait donc, soulever. Il dit comme ça. Quoi? La vache, elle croit que je ne vais pas pouvoir la soulever, moi. C'est sûr que je peux la soulever. Et si je n'arriverai pas à la soulever, je suis nazir. Et finalement, elle s'est levée toute seule. Il n'a pas soulevé. Donc, Beit Shammai disent, il est nazir de viande, mais en fait, il n'est pas nazir de viande, il est nazir. Parce que Beit Shammai disent, quand quelqu'un dit nazir de viande, il est nazir normal. Alors qu'au Bethilel, ça, vrai, topé de Agamra, mais je me débarme à Kamat. Il dit, parce que Rabbi Telel, ils disent, non, il n'est pas nazir. Parce qu'ici, on ne parle pas du tout que le monsieur, il pensait vouloir soulever la vache. Il dit tout simplement, lui, il dit, je suis nazir si la vache, elle ne se lève pas. Et maintenant, elle s'est levée. Alors, du coup, il n'est pas nazir. Il peut se lever dans une heure, dans un jour. Ça, là, il a dit, il a donné le temps. Si elle ne se lève pas, donc elle se lève. Je suis nazir si elle ne se lève pas. Selon Bethilel, ouais, elle s'est levée. Je ne suis pas nazir. Il n'est pas nazir. Tout n'importe comment, elle va se lever, la vache. Qu'elle se soit levée. Un jour ou là. Il parle de maintenant, il parle pas de demain. Demain, c'est sûr qu'elle va se lever. C'est très enfant, ça. Non. Monsieur, on revient à ce qu'on a dit au début. Comme on a vu dans la Mishnah précédente, que celui qui dit je suis nazir de figue sèche, selon Beit Shammai, il est nazir de vin. Là aussi, c'est pareil. Il dit je suis nazir de la viande de cette vache. Mais en vérité, Beit Shammai dit il est nazir, pas de la viande, il est nazir. De tout. Un vrai nazir. Ah, on ne peut pas faire un éder juste pour un seul élément. On a vu ça une fois déjà avant. Alors le Gmara dit, « Ubetelel savre ela kamat avi nazir, vea amre me besara la avi nazir. » Le Gmara dit, on vient de dire maintenant que Betelel, ils disent, il n'est pas nazir, pourquoi? Parce qu'il lui a dit, si elle se lève, non, je suis nazir si elle ne se lève pas, et elle s'est levée. C'est ça la raison. L'agma a dit, mais n'importe quoi. La raison de Bethelel, c'est pas ça. La raison de Bethelel, parce que lui, il a dit, je suis nazir de la viande.
Et Bethelil, ils disent qu'on a des nazirs de la viande. Il n'est même pas nazir, parce qu'on ne fait pas nazir de la viande, comme on a vu dans les figues sèches. Bethelil, ils disent, celui qui dit « je suis nazir des figues sèches », il n'est rien du tout. Alors comment tu me dis que parce qu'il a dit « Mebessara de la viande », quel rapport? Parce qu'il a dit « elle ne s'est pas levée ». Il y a deux avis sur les figues. On est en train de parler de Bethelil maintenant. C'est pas ça qu'on m'a dit. « Bethelil savait et la kamat avait nazir, si elle ne s'est pas levée, c'est pas ça. » C'est-à-dire, comme elle s'est levée, il n'est pas nazir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le monsieur, il a dit quoi? Il a dit, je fais nazir si la vache, elle ne se lève pas. Si, non, ça c'est Bitchamay. Et je dis, si la vache, elle ne se lève pas. Bitchamay, le monsieur, il a dit comme ça, je fais nazir si la vache, elle ne se lève pas. Finalement, elle s'est levée. Donc, il n'est pas nazir. Oui ou non? Et si elle ne s'est pas levée, il est nazir. Donc, moi, il est nazir. Quand quelqu'un dit, je suis nazir de la viande si elle ne se lève pas et elle se fait lever, il est nazir? Mais tu lui dis, non, mais putain! Bethelil, bien sûr que non. Bethelil, ils disent quand quelqu'un dit je suis nazir de fixage, il n'est pas nazir. La même chose, tu dis je suis nazir de la viande de cette vache, on n'est pas nazir, qu'est-ce que tu racontes? Donc le raisonnement que tu fais, il n'a rien à voir. C'est pour ça que l'agma a dit non. Les tamayos de Bethshamay ka'amre. En fait, Bethelil, quand ils disent comme ça, le monsieur il a fait un vœu d'être nazir, si la vache elle ne se lève pas, et elle s'est levée. Alors il n'est pas nazir, mais ce n'est pas pour eux, parce que eux, pour eux, comme on a dit, il n'est pas du tout nazir, parce qu'il a fait le vœu de la viande. Mais les tamayes de Bethshamay, Bethelil, ils disent à Bethshamay, ils disent, nous, les didan, pour nous, afelolo kamat nami la vinezer. Qu'elle se lève ou qu'elle ne se lève pas, il n'y a aucune différence. Quelqu'un, il dit, je suis nazir de la viande de la vache, il n'est pas nazir. Nazir de la viande, ça n'existe pas. Comment ils ont fait le nazir de fixèche? Bethelil, ils disent, oui, non, c'est pas rien du tout. Mais les détrous, vous, Bethshamay, des amrut avez nazir, vous vous dites, non, si elle se lève, il est nazir. Lui, il a dit, je suis nazir si elle ne se lève pas. Donc, si elle ne se lève pas, il est nazir. Au-delà de mes détrous, il dit, la machine de Béra, Béra Kamat. Au moins, soyez d'accord avec nous. Bethelil, donc il dit à Bethshamay que dans ce cas-là, puisque le monsieur il a dit je suis nazir de la viande si elle ne se lève pas, oui, et après elle s'est levée, alors dans ce cas-là, elle n'est pas nazir. Pourquoi vous dites qu'elle est nazir? D'accord. Puisque moi j'ai dit, mon vœu c'est. Moi j'ai dit, je suis nazir si elle ne se lève pas. Si elle ne se lève pas, je suis nazir. Comme ça? C'est ça. Attends, j'ai fait Nazir Mebessara Ibn Amr, c'est ça. Je suis nazir si elle ne se lève pas. Et donc, elle s'est levée toute seule. Donc, Bethelil et dit à Bethshamay, tu vois bien donc il n'est pas nazir, qu'est-ce que tu racontes? Alors, Bethshamay, ils disent non, monsieur. Au Bethshamay, là où tu peux dire, et Bethshamay, ils disent non, pas comme ça. Bethshamay, ils reviennent sur leur raison qu'ils ont donnée précédemment. Si j'aurais pu, je peux la lever. Voilà, quand ils ont dit, le monsieur qui a dit, je suis nazir si elle ne se lave pas, c'est pas qu'elle ne se lave pas tout seule. Je suis nazir si elle pense cette vache que moi je ne pourrais pas la soulever. C'est ça l'intention. Bethshamay, ils disent comme cela. L'intention de ce monsieur, c'était ça. Si elle pense que je ne pourrais pas la soulever, cette vache, alors je suis nazir. Le problème, c'est qu'elle s'est levée toute seule. Alors il est nazir. D'accord? On va à la Mishnah suivante. Matnitin. Mazroulo et Takos. On vient servir à un homme un verre de vin. Ve'amar harini nazir memenu. Alors lui, il dit, je suis nazir de ça. Il fait un vœu. Le verre de vin. Il ne boit pas. Alors. Il a dit, je suis nazir de ça. Il ne va pas le boire. La Mishnah a dit, Harezé nazir. Il est nazir complet. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit? On lui sert un verre de vin. Il dit, je fais un vœu d'être nazir de ça. Que du vin alors? De ce verre de vin. Oh, d'accord. La Mishnah a dit, il est nazir complet. Ah bon? Quoi? Attends. Attends, il venait de l'être, nazir. Il va faire un verre. Mais la Mishnah nous ramène. Il y avait une histoire comme ça, écoutez bien. Une femme, elle était ivre. Oui, elle était ivre. Elle était déjà ivre. On lui a donné un autre verre de vin.
Et elle, elle a dit, Amra, Harini Nizera Memeno. Elle a dit, voilà, je fais un vœu de Nazir de ça. Et Amra, Amra Hachamim, Lo Nitka Venazo et la Lomar Hadeo Ala Korban. Hachamim, ils ont dit, quand elle a dit ça, c'est pas pour être Nazir. C'est juste pour ne pas boire ce verre-là. Uniquement sur ça. Pas un Nazir complet. Pourtant, elle a dit, je suis Nazir sur ça. C'est pour ça que la Gemara, tout de suite, elle va poser une question. Exactement. Marasser l'histoire. D'abord, tu m'énonces un enseignement. Si quelqu'un, on lui sert un verre de vin, il dit, je suis Nazir de ce verre, il est Nazir complet. Et tu m'amènes une histoire qui contre ce que tu dis. Et alors? Et alors? C'est pour ça... Doucement, on va répondre. La Gemara dit, marasser l'histoire. Dans la Risha, tu me dis, si on s'en fait à quelqu'un, il dit, je suis Nazir, il est Nazir. Bihadar Tani, Marasi Bishahatan Mabiahoud, ça veut dire que donc, quand elle dit, la femme, elle dit, je suis Nazir de ce vin, donc uniquement de ce vin, elle est Nazir, donc vous mettez l'autre, non. Donc contradictoire. Alors, l'Agma répond, en fait, il manque un élément dans la Mishnah qu'il faudra rajouter. C'est quoi l'élément qui manque? Voilà comment il faut lire. Masgulot akos nazir. Voilà, ça c'est la première idée qu'on a vue nous. Si quelqu'un on lui sert un verre de vin et dit je veux être nazir, il est nazir complet. Maintenant, là, il faut rajouter cette phrase là. Ve'im shikur hu ve'amar halin nazir menu eno nazir. Mais si ce monsieur, il était ivre, donc il a bien bu déjà, et on le sert à notre verre, et il dit, ah non, je suis nazir de ça. Alors là, uniquement de ce verre, pas nazir complet. De fois, attends, pourquoi pas du tout. Attends, deux histoires, la même chose. Mais c'est pas une histoire, ça. Ça c'est un... Après, pourquoi il ajoute la sifa, alors là, j'ai pas besoin. Après, il a raconté une histoire. On raconte toujours des histoires pour conforter ce qu'on dit, évidemment. Comme Marassé, c'est un Marassé rave, toujours on raconte une histoire. Oui, et là, il dit pourquoi? Il dit parce que Kéman Derman a derrière les Corbanous. Il dit, c'est comme si quelqu'un a dit, pour moi, ce verre, c'est comme un Corban. En fait, il a fait le vœu uniquement sur ce verre-là. Il ne veut pas boire, il n'en peut plus. Moi, je dis, mais il est sous le type. Il n'a pas à le boire. Mais si, et lui, il a dit, je ne veux pas boire. Je suis nazir, il est sous déjà. Il n'est pas dans son état normal. N'importe quoi. Il n'est pas dans son état normal. Il dit n'importe quoi, mais pas, il ne peut pas le dire. Non, mais on ne parle pas de quelqu'un qui est saoul comme l'autre. Il est saoul, il a bu un peu, il n'a plus envie. Combien de fois des gens ils boivent? Après, ils disent, je peux plus. Ça ne veut pas dire qu'il est bête. Il y a des gens qui boivent un peu, ils sont contents. Après, il va plus. Il ne veut pas dépasser la. Comment dire, le verre qui dépasse. Alors, la Gemara dit, Véhi de Malimachi. Et alors, dans ces cas-là, si Bémet, il veut s'interdire que ce verre de vin, comme si qu'il a fait un vœu comme un corban, pourquoi il n'a pas dit clairement? Voilà, je fais un vœu de corban de ça, c'est tout. S'il a vu. Ah ben, il n'a qu'à dire ça. Au lieu de dire je suis nazir et compliquer la vie, dis-nous au corban. Voilà, il dit, ce verre pour moi c'est un corban. On a compris, il n'y a que ce verre qui est interdit, les autres verres non. Là, il dit non. La Gemara répond ça va, maïtin le harinam sanani. Et malhoua metta de sekalhou. Il dit non, parce que s'il va dire ce verre c'est un corban, il lui, monsieur, il dit tiens, s'ils ont dit ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont m'apporter un autre verre, ils vont casser les pieds. Alors je leur dis, je suis Nazir, Zama, ça y est, je coupe tout. Et ils vont croire que Nazir, c'est terminé. Oui, pour lui, c'est le cause. Voilà, et donc, en fait, ils me laisseront tranquille. C'est pas mentir, c'est son intention. Son intention. Et c'est là où on amène au Mahasen Amé Bécha. C'est là où on amène l'histoire de la femme, comme quoi elle a dit la même chose. Et c'est pour ça qu'on dit que quand elle fait Nazir, voilà, ce qui manquait, on l'a rajouté et on a corrigé après. Zakobalo.